Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, bon voilà, je rentre de mes congés et j'ai plein de courriers. Je voulais remercier Christine pour sa jolie carte postale qu'elle m'a envoyée et surtout ce magnifique foulard de soie. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est en deux parties bien sûr, il est carré. Magnifique, moi qui adore les foulards et les fleurs, je la remercie bien fort Christine, merci beaucoup pour votre gentillesse. Vous m'avez manqué quand même, oui, vous m'avez manqué, mais j'étais dans un endroit où je ne captais pas du tout. Donc je n'ai même pas pu faire de petites vidéos. J'ai prié pour vous, j'ai prié pour toute ma communauté, j'ai prié aussi pour ma famille, et puis pour tout le monde que je connais, hein, tous mes clients que je connais bien. J'espère que vous êtes tous bien et que vous avez la forme surtout. Moi je suis un peu fatigué, mais ça doit être. J'ai peut-être trop marché. Je voulais regarder aujourd'hui, parce que je l'ai appris pendant mes congés quand même, il y avait la télévision quand même. J'ai appris malheureusement, enfin malheureusement d'un côté, puis heureusement de l'autre, quelque part. Heureusement de l'autre, quelque part, parce que pour les parents c'est terrible. J'ai appris qu'ils avaient retrouvé le petit Émile. Et je voulais regarder aujourd'hui si c'est un accident banal, qu'il est tombé, puis le pauvre il est décédé, ou si il a été assassiné. Voilà, je voulais regarder. Hein. Donc nous allons regarder ensemble. Alors nous sommes le 6 avril déjà et il doit être 15h15 ou 15h20. Je regarde. Le petit Émile, est-ce un accident ou un assassinat? Là on me parle de solitude, bien sûr, il était seul, le pauvre, hein, vous avez donc ici la solitude. Et actuellement, ben, il est au ciel parce qu'on voit appui sur le monde, donc il est dans la lumière. Déjà, c'est une bonne chose. Hein. Voilà, appui sur le monde, donc assassinat. Assassinat ou alors tout simplement un accident. Alors, le petit Émile. Accident ou assassinat. Le petit Émile, accident ou assassinat. Quand on regarde les cartes comme ça, vous avez une personne seule, la solitude. Il était tout petit, il était tout seul. Il marche tout seul, apparemment. Là, on voit un danger, accident. Vous êtes bonjour, mes oiseaux. Là, cette carte représente bien sûr qu'on est enchaîné. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a des jambes cassées, par exemple, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas bouger. La chance était avec lui, mais il a eu des obstacles. Alors, c'est compliqué quand même. La chance était avec lui, hein, mais il a eu des obstacles. Là, on ne me dit toujours pas si c'est un assassinat, un accident. Je pencherai plus pour l'accident. Là, dans le premier jeu. Le petit Émile. Est-ce un accident ou un assassinat? J'essaye de bien le voir. Alors actuellement, c'est la joie pour lui, il est dans le ciel, il est bien, il est dans la lumière. Pour ceux qui croient à ça, pour ceux qui ne croient pas, bah, tant pis. Hein. Mais pour ceux qui croient, il faut que vous sachiez qu'il y a une vie après la mort. Il y a quelque chose de joyeux qui est dans le bonheur, dans l'amour, et on le retrouve ici avec la joie. Actuellement, il est en joie, son âme est heureuse. Alors, bien sûr, ça nous fait bizarre, mais c'est vrai. Une malchance pour eux, une malchance pour lui, je veux dire, il a la sorcière, il avait une ouverture de vie, une ouverture de choses bien, il y a la carte de l'ouverture, de la chance, et là vous avez la sorcière qui est venue, le mal, si vous voulez, le mal. C'est un enfant qui devait être très speed, parce que vous voyez, il aurait dû être plus sage, devait être très nerveux, très speed. Donc il est peut-être parti comme ça, et puis malheureusement il y a eu le danger, il est tombé. Et là on me parle d'un homme. Vous voyez, ça change. Ça change. On me parle d'un homme. Attention, danger. Un enfant seul. Attention, danger. Il y a un homme, il y a quelqu'un. Donc là, maintenant, ça ne devient plus un accident. On se regarde. On le saura, il y a la distinction. Attention, danger. Il y a un homme. Cet homme aussi, il a la distinction à côté de lui. C'est quelqu'un déjà. C'est pas un jeune. C'est un homme plus la cinquantaine, la soixantaine. Il est mêlé à cette affaire. On ne me dit pas que c'est lui qui l'a tué. Hein. On me dit qu'il y a un homme qui est mêlé dans cette affaire. Le petit Émile. Le petit Émile. Accident ou assassinat. Le feu. Mais ce n'est pas le feu, c'est plutôt le foyer. Le feu. C'est plutôt le foyer. Je vais retourner les autres cartes.
Toujours la solitude, la solitude, la solitude. La sorcière, le mal, l'élévation spirituelle, ça c'est parce qu'il est dans la lumière, élévation spirituelle. C'est quelqu'un de sa famille, je suis désolé, un héritage. On voit quelqu'un de sa famille, il s'est passé quelque chose avec un homme. Alors moi je vois pas un... Ça peut être un viol, un truc horrible, je vois pas ça. Quand on regarde les cartes comme ça, quand on regarde le jeu comme ça, c'est quelqu'un de sa famille qui, sans faire exprès, l'a peut-être tué. Sans faire exprès, peut-être que, je sais pas, il l'a attrapé, il l'a secoué, il est tombé. Il y a un homme qui est dans ce malheur, si vous voulez. Il n'est pas parti tout seul, c'est ce qu'on voyait au départ, qui partait tout seul, attention, danger, obstacle, danger, destinée. Puis ensuite, on voit un homme, un héritage d'un homme, c'est quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un de sa famille, ça c'est quelqu'un de sa famille, c'est sûr comme c'est situé. Bouger, mouvement. Est-ce qu'il aurait bougé le corps? Est-ce qu'il s'est bougé? Il y a les mouvements. Est-ce qu'il aurait redéposé après? Je ne sais pas, je vais recouvrir. On voit bien quand même, j'aurais pas cru qu'on voyait si bien. Est-ce que le petit Émile a été assassiné ou est-ce un accident? Moi, cet homme-là, pour moi, c'est pas net. Enfin, le foyer, maintenant il est dans la lumière, on nous le refait voir, il est dans la lumière. Le foyer, ils ont mis du temps à chercher. Vous avez ici le labyrinthe, ils ont mis quand même beaucoup de temps à le trouver, à le chercher. Pour moi, il a été déplacé cet enfant, parce qu'ici vous avez les mouvements, comme si on l'aurait déplacé de quelque chose. Actuellement, il est au ciel, c'est un cadeau du ciel, c'est un ange actuellement, le voilà. Voilà, je l'ai là. Ce n'est pas un homme, c'est un couple. Ici, vous avez le couple. C'est un couple. C'est un couple qui serait relié, si vous voulez, à la disparition de cet enfant. C'est un couple. Il s'est passé quelque chose. Mais la chose qui s'est passée, pour moi, c'est un accident. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas, il est monté sur une chaise et puis on l'a poussé, il est tombé et puis il est décédé. Et après, ils sont partis le cacher, si vous voulez. Pour moi. Parce que pour l'instant, on a retrouvé malheureusement que sa tête, ou heureusement, parce que les parents pourront se prier sur une sépulture, sur quelque chose. On sait où il est, si vous voulez. Mais pour moi, ils retrouveront des morceaux de corps, de petits os, de quelque... Il y a un autre endroit, il y a des... C'est un couple, hein, un couple qui est mêlé par le sang à la famille du petit Émile, qui est mêlé par le sang. Et bien sûr, grosse dépression pour la famille, effectivement, mais on retrouvera des petits morceaux de son petit corps. Alors, est-ce que c'est un accident? C'est un... Oui, il n'y a pas de, si vous voulez, de viol ou de choses comme ça. Il est décédé par accident, mais avec un couple. Il n'était pas seul. Ils l'ont caché, pour moi, c'est ce que je peux voir comme ça. Après, ce ne sont que des cartes, hein, je ne suis pas Jésus-Christ. Mais il y a des mouvements aussi. Il a été déplacé, cet enfant. Il a été déplacé. Et on le saura. Bon, alors, il faut attendre. Hein. Ça va être long, mais on va le savoir, ça. On le saura. Ça ne fera pas comme d'autres personnes qui disparaissent puis qu'on ne sait jamais rien. On le saura. Mais il y a bien un couple qui est mêlé. Au départ, on voit un homme et après, on voit une femme ici. Donc, il y a bien un couple qui est mêlé. Je suis à 8 minutes 39. Ben, écoutez. Je vous retrouve peut-être demain. Il fait chaud à La Rochelle, mais le temps est couvert, mais il fait chaud. Il fait chaud, enfin il fait chaud. Il va faire 21, 22, vous êtes déjà bien. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous fais des gros grosses bises à tous. Je vous retrouve demain. Demain ou lundi, je ne sais pas. Je verrai. Demain ou lundi. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Gros gros bisous. À très vite.